Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, cette semaine, on commence la première partie de mon top 9. Première partie parce qu'en fait, le top 9 va avoir lieu en 3 vidéos. À chaque fois, je vais vous en montrer 3. Et ça va être un top 9 interactif, donc vous allez avoir le dernier mot. Parce qu'en fait, à chaque vidéo, vous allez devoir voter pour votre jeu, dans les 3 que j'ai nommés, que vous aimeriez avoir une vidéo plus complète. Donc un review avec un petit peu de vidéo règles, un overview du jeu en fait. Donc vous votez pour celui que vous trouvez le plus intéressant. Et moi, je vous prépare ça. Donc, j'avais bien hâte de faire mon top 9, étant donné que j'ai fait l'exercice peut-être il y a 2 ans, en 2018, pour faire mon top 10. Et là, la question c'est, depuis 2 ans, est-ce que mes goûts ont évolué? Est-ce que, dans le fond, ce sont les mêmes jeux qui se retrouvent dans mon top 9? Eh bien, c'est ça qu'on va vérifier, donc on commence ça tout de suite. Position. Donc, c'est un jeu que j'ai tellement joué, en fait, que ça fait, je pense, 2 ans minimum que je l'ai. J'y ai tellement joué que j'avais même l'impression, à un moment donné, d'avoir passé à travers le jeu. Parce que on faisait les parties et là, c'était rendu facile de savoir quelle carte devait être jouée, à quel moment pour être optimale, comment maximiser son tour au maximum, qui allait gagner selon les cartes qui allaient sortir, tout ça. Et donc, en fait, j'ai pas arrêté de l'aimer, c'est juste que c'était une constatation que, ok, j'étais peut-être rendue à avoir des extensions pour ce jeu-là. Puis en fait, quand je dis que je l'ai joué beaucoup, là, c'est beaucoup de parties, là, probablement une 30aine et plus. Là, donc, pour une collection comme la mienne, c'est beaucoup de parties, fait que rendu là, c'est correct si tu commences à connaître le jeu pas mal sur le bout de tes doigts. Donc récemment, j'ai eu la chance de pouvoir backer les extensions de ce jeu-là. Donc maintenant, je suis aux anges, que dis-je, parce que maintenant, il y a de la nouveauté pour le jeu. Donc j'ai nommé Everdell. Donc Everdell, c'est un jeu qui est tout simplement magnifique. En fait, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, il n'y a rien à redire sur l'art du jeu. Donc, juste regardez la boîte, là, regardez comment c'est beau. Donc, dans Everdell, on incarne des petits personnages de la forêt, donc des petits animaux. Et là, c'est vraiment cute parce qu'on a des meeples dans le jeu en bois. Mais les meeples, ben, ce sont des meeples d'animaux. Fait qu'il y a des hérissons, il y a des écureuils, des tortues et des souris dans la boîte de base. Et là, après ça, ben là, tu peux upgrader pour la version de luxe avec les extensions, tout ça, mais là, t'en as vraiment une grande quantité, là, beaucoup plus que t'en as besoin. Mais bref, le jeu est extrêmement beau. C'est le jeu qui a un arbre 3D. Donc, pour ceux qui n'ont jamais vu, je vous montre ça, là. En arrière, on voit le plateau, tout ça, l'arbre 3D. Je vais le mettre à l'écran, vous allez voir c'est quoi. Donc, c'est un jeu qui est magnifique. Puis très, très, très immersif aussi. La première fois que je l'avais vu sur Kickstarter, je m'étais dit « Ouais, il est tellement beau, ça doit être enfantin comme jeu. » Et je m'étais pas plus intéressée au jeu, j'avais passé mon chemin, puis je l'ai vraiment regretté. Quand les gens ont commencé à le recevoir, que je l'ai vu passer sur les groupes Facebook, puis là, je me suis rendu compte que non, c'est pas un jeu qui est enfantin, c'est un jeu avec une très bonne stratégie, très profond. En fait, Everdell, c'est un placement d'ouvriers, gestion de ressources à la base, avec un côté engine builder et tableau building. Parce que là, on va construire une ville. En fait, c'est ça qu'on veut faire. Donc, une ville qui constitue des bâtiments et des habitants. Donc, on essaie de placer nos petits meeples d'animaux sur des endroits spécifiques dans la forêt pour aller ramasser des ressources. Avec ces ressources-là, on peut acheter des cartes, donc soit des bâtiments, soit des habitants. On les place dans notre ville. On peut en placer un maximum de 15. Et chacune des cartes a une action particulière. Et il y a plusieurs types de cartes, donc il y en a certaines qui jouent à un certain moment précis du jeu. Donc qui se répètent, si on la joue au début de la partie, on peut le répéter 2 fois. Il y a d'autres cartes qui donnent un effet passif, donc tout le temps, on a cet effet-là supplémentaire. Il y a des cartes qui ont des effets uniques, et ainsi de suite, il y a des cartes pour scorer à la fin, tout ça. Donc on se construit notre ville,
Et là, plus on la construit, bien, plus notre engin devient efficace, dans le sens que de tour en tour, on va devenir de plus en plus efficace pour produire des ressources, puis aussi pour pouvoir justement générer des points de victoire. Donc, c'est un jeu qui est super bon, puis qui fonctionne super bien, il fonctionne en saison. Donc, on commence la première saison avec un nombre limité de petits ouvriers. Et là, on peut déplacer tout ça. Et là, quand on commence le jeu pour les premières parties, on a tout le temps l'impression que... enfin, on se demande, est-ce que je vais réussir à faire ma ville? Parce que me semble que ça va pas vite. Me semble que j'ai pas beaucoup de ressources, puis je peux pas placer beaucoup de cartes. Et là, on a beaucoup de doutes. Puis les saisons avancent. Et là, on se rend compte que finalement, bon, c'est plus simple. Et de saison en saison, on est de plus en plus efficace. Donc... c'est vraiment un jeu qui est super de ce point-là. Donc, puis c'est ça. Puis en fait, à chaque saison, mais là, ça produit un effet différent. Et ce qui est intéressant, c'est que dès que tu n'as plus d'action que tu peux faire parce que tous tes petits ouvriers sont placés, et là, tu n'as plus de ressources, tu ne peux plus placer de cartes, rien du tout, mais là, tu peux passer. Et quand tu passes, tu changes de saison. Mais là, chaque joueur va changer de saison à son propre rythme. Ce qui fait en sorte que chaque joueur peut finir la partie plus ou moins rapidement. Et ça n'affecte pas la partie des autres joueurs. Il y a de l'interaction. Par contre, dans la boîte de base, il y en a un petit peu. Donc, il y a des cartes que les joueurs ont qu'on peut aller interagir. On peut aussi aller placer la moufette dans les villes des autres personnes pour leur donner des points négatifs et leur enlever une place pour pouvoir placer des cartes, donc des opportunités de faire plus de points. Vraiment super jeu, vraiment solide. La difficulté, je la noterais à médium. Donc, pas pour les nouveaux joueurs parce que ça va être un petit peu trop de nouvelles mécaniques. Il faudrait être habitué avec le placement d'ouvriers, gestion de ressources en premier, l'engine builder, tableau building. Donc, on va y aller avec plus simple pour commencer, mais c'est très accessible. Donc, rapidement, vous allez pouvoir vous rendre à ce niveau-là. Donc, vraiment solide. Et les extensions, je vais déposer Everdell juste ici. On a Pillbrook qui rajoute un petit monde sous-marin. Et là, on a chaque personne a un ambassadeur grenouille qui nous permet d'aller dans des cités sous-marines, ramasser des perles, ramasser des pouvoirs spéciaux et tout ça. Donc, ça rajoute une bonne couche de profondeur. Ensuite, il y a Belfair qui est sorti tout récemment. Donc, qui rajoute, elle, plusieurs modules qui vont permettre, en fait, là, de... On peut toutes les mettre. On peut en mettre seulement un ou deux. C'est comme on préfère. Donc, ça complique pas trop la partie. Ça va juste rajouter quelques variables de plus. En plus, ça permet de jouer jusqu'à 6 joueurs. Et ça permet d'avoir un endroit au milieu de la table pour pas avoir à mettre l'arbre. Parce que quand on joue à plus que 2-3 joueurs, il y a une personne que la vue sur le plateau peut un peu être brimée à cause de l'arbre. Donc là, il y a une façon de jouer sans mettre d'arbre, mais en tout cas, vous verrez, vous n'êtes pas obligé de ne pas le mettre, vous n'êtes pas obligé de le mettre, donc c'est à votre choix. Et finalement, la dernière grosse extension qui est sortie, qui est probablement la plus grosse, c'est Sparecrest. Donc dans Sparecrest, entre autres, on va retrouver des géants meeples sur lesquels nos meeples peuvent aller, donc c'est comme des montures, c'est super cute. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de faire une aventure. Puis c'est ça, au fur et à mesure de notre aventure, on ramasse des points. Super intéressant, on rajoute une belle profondeur. La chose que j'ai trouvé plate avec les extensions, tout ça, c'est que on peut pas techniquement les mixer, c'est ce qu'ils disent, en tout cas, dans les règles. On peut le faire, mais ça complique beaucoup la partie. Mais en fait, ce que ça fait, c'est que ça vous permet vraiment de modeler vos parties selon vos préférences à chaque fois que vous jouez. Donc, c'est mon numéro 9, Everdell. En 8e position, c'est un jeu qui est un masterpiece selon moi. Donc, un jeu qui est de un très beau. Bon, on dirait hein, avoir la suite des choses que j'aime bien ça, les belles choses, mais effectivement, c'est vrai. Donc, oui, c'est un jeu qui est extrêmement beau. C'est un jeu qui est bien fini. C'est un produit, lui aussi, de Kickstarter. Donc, en fait, c'est sûr que quand on choisit un jeu qui vient de cette plateforme-là de ce sous-financement, ben on choisit un produit qui, généralement, quand on est chanceux, quand on choisit les bonnes compagnies, est vraiment fini. Donc, qui a eu beaucoup d'amour de mis dans le jeu. Et quand ils vous le donnent, mais là, c'est vraiment un produit qui est généralement d'une qualité supérieure. Donc, c'est une autre que d'être beau. C'est un jeu qui est extrêmement bon aussi et qui est rendu massif. Et là là!
On va mettre du bon côté, hein. Et c'est 7! Donc là, j'ai la Legendary Box, elle est bien pleine, les amis, parce que toutes les extensions à l'intérieur, plus toutes les goodies qu'on pouvait rajouter. C'est pour ça que c'est un peu lourd. Donc, je vais déposer ça et vous expliquer un peu ce qu'est 7 pour ceux qui ne le connaissent pas. Je peux le mettre comme ça, c'est pas gentil. Donc, 7, c'est un jeu de placement d'ouvriers, gestion de ressources et contrôle de territoire, tout ça en un jeu. Donc, ça se passe en Europe de l'Est, après une grosse guerre qui a fait en sorte que le monde est un peu ravagé. Donc là, on essaie de rebâtir nos colonies. Donc, en fait, c'est pas des colonies, c'est des factions. Donc, on essaie de se rebâtir, de se développer. Et là, on a l'aide de mecs qui sont des unités militaires qui vont nous permettre de nous déplacer, vont nous permettre aussi de contrôler des territoires et, au besoin, d'attaquer les autres joueurs. Donc, je dis attaquer parce qu'effectivement, c'est un jeu de contrôle de territoire, ce qui veut dire qu'à la fin de la partie, on va rapporter des points selon le nombre de territoires qu'on contrôle. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Par contre, si vous recherchez à avoir beaucoup d'interactions, ce n'est pas un jeu pour vous parce que dans le jeu, ça va valoir la peine deux fois de faire des interactions avec les autres. Après ça, c'est tel que tel. Ça peut valoir la peine, mais en fait, c'est ça, c'est que dans le fond, un peu moins, et il peut avoir des points négatifs aussi à le faire. Donc dans 7, ce qu'on essaie de faire, c'est réaliser 6 objectifs parmi plusieurs qui sont proposés. Les objectifs vont nous permettre, vont nous demander, entre autres, il y en a que c'est justement de gagner un combat. On peut le faire deux fois. Donc voilà les deux fois où ça va valoir la peine de le faire. Un autre qui est d'avoir déployé tous nos mecs, avoir déployé tous nos ouvriers sur des territoires, d'avoir réalisé chacune de nos constructions qu'on pouvait, chacune de nos améliorations, d'avoir maximisé, en fait, il y a une échelle de popularité, donc être au sommet de cette échelle de popularité-là. Il y a aussi une échelle militaire, justement, pour les combats, tout ça, donc c'est au sommet de cette échelle-là. Donc, vous voyez un peu le principe. Donc, il y a plusieurs options que vous pouvez réaliser dans le jeu. Et dès que quelqu'un en réalise sa 6e, ça met fin à la partie et là, on calcule les points de victoire selon plusieurs critères, donc entre autres le nombre de territoires que l'on va contrôler, le nombre de ressources aussi que l'on va contrôler, le nombre d'objectifs qu'on a réalisés d'ici la fin de la partie, plus plein d'autres choses. Et en fait, ces nombres-là vont rapporter un certain nombre de points. Et là, le trick dans ce jeu-là, c'est que plus on est élevé en popularité, donc plus on a réussi à augmenter notre popularité au cours de la partie, eh bien, plus on va faire de points pour chacune de ces variables-là. Donc, c'est un peu comme ça, c'est ça le principe un peu de 7. Donc, le jeu est majestueux. Il y a des belles figurines, le plateau est magnifique, la boîte, on voit déjà le artwork, mais tout le jeu au complet est comme ça. Donc, avec artistiquement, là, vraiment très bien développé. Puis, ça joue super bien, c'est fluide aussi. C'est sûr que c'est un gros jeu, encore une fois, la difficulté moyenne, en fait, dans la compréhension. Ce qui veut dire que vous pouvez l'acheter quand vous débutez, mais ça va être complexe. Ça va être votre gros jeu, là, pour commencer. Puis, au fur et à mesure, dans le fond, c'est rapide qu'on se rend à ça, parce que c'est pas trop difficile. Puis, en plus, quand on commence à jouer à 7, c'est une partie qui va nous prendre environ 2 heures. Quand on connaît bien le jeu, qu'on joue avec des gens qui le connaissent bien, c'est un jeu que j'ai déjà vu jouer en 45 minutes. Donc, vraiment super efficace comme jeu. Puis, c'est ça. Donc, c'était dans mon top 10 quand je l'ai fait en 2018. Et il est encore dans mon top 9, donc c'est pour vous dire à quel point je l'aime. Et donc c'est ça, c'est 7 et c'est mon numéro 8. En 7e position, donc c'est un jeu qui est vraiment spécial pour moi. En fait, c'est le 2e, lui aussi on va le retrouver dans mon top 10 que j'ai fait réaliser en 2018. Puis en fait, c'est le dernier. En fait, après ça, les autres jeux, c'est tous des nouveaux. Mais c'est un jeu, je pense, qui va toujours rester spécial à mes yeux, parce que c'est le premier jeu que j'ai kickstarté à vie. Donc, c'est de sa faute. C'est lui qui me fait dépenser autant d'argent dans les 2 dernières années. Dès que je l'ai vu, je savais que ça allait être un jeu qui était vraiment spécial. En fait, sans plus attendre, je vous présente mon numéro 7, Seventh Continent. Donc, en fait, ça, c'est la boîte de son extension. Je la trouvais jolie, fait que j'ai décidé de la montrer. Donc, Seven Continents, c'est un jeu dont vous êtes le héros.
Donc, pour ceux qui connaissent les livres dont vous êtes le héros, mais c'est un peu inspiré de ça. Donc, l'histoire, c'est que vous avez découvert le septième continent avec d'autres amis explorateurs. Vous êtes revenus chez vous pour le dire à tout le monde. Et là, en fait, petit à petit, tout le monde qui vous a accompagné dans cette expédition-là commence à disparaître. Et là, une nuit, vous vous endormez et vous vous réveillez sur le septième continent. Donc, vous êtes affligé d'une malédiction et votre but, c'est d'explorer le septième continent et de réussir à lever cette malédiction-là. Vous allez devoir essayer de survivre sur le continent. Donc, vous allez devoir chasser, vous alimenter, essayer de pas trop être blessé. Vous allez faire des rencontres, autant amicales que pas trop amicales non plus. Vous allez devoir réaliser des énigmes, essayer de suivre des indices, devoir explorer le continent, pas vous perdre, puis essayer de vous rendre à bonne destination pour pouvoir réaliser cette intrigue-là. Donc, il y en a vraiment beaucoup des malédictions dans Seven Continents. Juste dans la boîte de base, il y en a quelques-unes, puis là, je pourrais pas vous dire trop combien qu'il y en a, parce que là, moi, j'ai la boîte de base, l'extension What Goes Up Must Go Down, et j'ai également toutes les petites extensions qui venaient avec le jeu, donc quelques petites malédictions à réaliser. Puis c'est ça, c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs. Donc, je le préfère à 2, personnellement, je trouve que c'est un bon chiffre. Sinon, c'est un jeu vraiment solide, solo. Donc, explorer le continent, en fait, vous allez devoir, c'est à base de cartes. Donc, vos explorateurs se trouvent sur des cartes. Sur la carte, il y a plusieurs actions disponibles. Selon l'action que vous décidez de faire, vous devez obtenir tant de réussites en pigeant tant de cartes de votre deck d'action. Le deck d'action, c'est un deck qui est composé des cartes de votre personnage, des cartes des autres personnages qui vous accompagnent dans la mission, plus des cartes que vous récupérez dans le jeu, plus des cartes malédiction. Donc, on brasse tout ça ensemble. Et là, sur chacune des cartes, en plus d'avoir des items que vous pouvez crafter, d'avoir des actions spéciales que vous pouvez réaliser, tout ça, mais en plus de ça, il y a aussi des étoiles et des demi-étoiles qui s'assemblent en collant les cartes ensemble. Donc, par exemple, si je veux faire une action, ben là, à ce moment-là, il faut que j'aille tant de réussite. Donc, je dois choisir combien de cartes je vais piger de mon paquet d'actions pour pouvoir la réaliser. Et là, c'est là que c'est tricky. Parce qu'il faut que je pige assez de cartes pour avoir assez de succès pour réaliser l'action. Parce que généralement, quand on manque notre shot, c'est négatif. Il va arriver quelque chose, quoi, ça ne tombe pas qu'il arrive. Et, ben, également, si je passe trop rapidement à travers mon deck d'action, eh bien, à ce moment-là, je pige plus dans mon deck d'action quand j'ai besoin. Je vais piger dans ma défausse. Et là, si jamais j'attrape une des multiples cartes malédiction qui se trouve dans mon deck, je suis mort. Et là, on doit recommencer du début. Donc, c'est vraiment intéressant comme principe, un petit principe de push your luck, un petit principe de logique, d'essayer de maximiser notre personnage, de crafter des items qui vont nous permettre d'avoir des réussites particulières dans certains défis pour essayer d'éviter de piger le maximum de cartes pour justement pouvoir vivre le plus longtemps possible. C'est un jeu qui est pas facile. Le jeu, en fait, certaines malédictions peuvent prendre jusqu'à 18 heures à réaliser. Fait que, ouais, c'est assez long. Sauf que, dans le fond, vous n'êtes pas assis pendant 18 heures à votre table de cuisine en train d'essayer de réaliser une malédiction. On s'entend, là. Comment ça fonctionne, c'est que vous pouvez sauvegarder votre partie à tout moment. Donc, quand vous êtes tanné, vous sauvegardez. Ça prend 5 secondes. Et là, quand vous voulez recommencer, bien, vous ouvrez la boîte, vous défaites tout, vous installez et vous êtes prêt à relancer en moins de 2 minutes. Donc, super efficace, super bon jeu, pour vrai. C'est un jeu que, même après toutes les années, dans le fond, ça fait 2 ans que je l'ai, même après tout ce temps-là, ça fait toujours spécial quand j'ouvre la boîte et que je m'installe pour jouer à Seven Continents. J'ai pas encore passé à travers toutes les malédictions. Puis, c'est vraiment un jeu qui est solide, qui est magnifique, qui est bien réalisé, qu'est-ce que vous voulez. Je l'aime. Et c'est mon 7e position parce que, hein, c'est... Et voilà, Seven Continents. Et voilà, c'est ce qui met fin à cette première partie de mon top 9. Donc, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser un petit pouce et à vous abonner aussi, très important. Et en fait, laissez-moi en commentaire lequel des 3 jeux vous aimeriez voir une vidéo plus complète, parce qu'en fait, c'est pour vous que je fais ça, donc j'aimerais savoir votre opinion et comme ça, on va pouvoir faire quelque chose de vraiment cool ensemble. Donc, est-ce que vous souhaitez que je vous fasse une vidéo règle slash review plus complète de Everdell et présenter ses extensions? Voulez-vous que je vous
vous fasse une vidéo règle et un review et une présentation d'extension aussi de site, ou préférez-vous qu'on fasse une petite aventure sur le 7e continent ensemble? Dites-moi le en commentaire et moi, je vous organise ça dans un avenir très proche. D'ici là, il y a plusieurs choses qui se passent avec Mixed Deal. Donc, demain, on va être le 24 juin. Eh bien, pour un petit spécial journée fériée, je vais faire une diffusion live où je vais tester avec vous Tainted Grail Conquest, donc la version jeu vidéo de Tainted Grail. Il y a le Early Access qui est sorti la semaine dernière. Sinon, jeudi à 4h, je fais Au premier regard, donc c'est mon émission où je vous parle en fait d'un jeu que je viens d'acquérir, que j'ai joué 2-3 parties et je vous donne mon impression. Puis après ça, je vous parle de ce qui est nouveau avec la chaîne Mixed Deal et également de certaines actualités et Kickstarter qui m'intéressent. Ensuite, on a le dimanche où j'ai fait un TTS test, donc Tabletop Simulator, où je vais faire une partie en live avec des amis d'un jeu et dans le fond, vous pouvez assister à ça. Et ensuite, les dimanches soirs, avec Elsa de Ludipsie, on fait toujours une collaboration où on parle de jeux de société et de santé mentale. Donc, plusieurs choses à ne pas manquer. Et comme si c'était pas assez, ben oui, à chaque vendredi, je sors une podcast. Donc, c'est pas différent cette semaine. À 16h, la podcast est en ligne. Donc, comme je vous disais, n'hésitez pas à dire dans les commentaires le jeu que vous avez préféré. Puis aussi, c'est quoi votre top 9 à vous? Ça m'intéresse de le savoir. Et d'ici là, ben, je vous souhaite une belle journée et à la prochaine.